Sarah Ferguson devrait rejoindre la reine Elisabeth II à Balmoral avec son ex-mari, le prince Andrew, selon un initié. Fergie, 61 ans, a eu une semaine chargée après la sortie du nouveau livre Her Heart for a Compass. Et Richard Eden du Daily Mail suggère que la duchesse des York a été invitée au château écossais de la reine. Balmoral revêt une importance particulière pour Fergie, car elle y a passé des vacances en 1992 lorsque des photos intimes d'elle ont été publiées dans la presse britannique. Selon l'expert royal Camilla Tomainen, l'histoire a provoqué une rupture dans sa relation avec le duc d'Édimbourg, décédé en avril à l'âge de 99 ans. Elle aurait également conduit à un petit déjeuner atroce avec Sa Majesté pendant son séjour. Les commentateurs royaux pensent que le prince Philippe n'a jamais entièrement apprécié Fergie, bien qu'il ait assisté au mariage de ses filles bien-aimées, Eugénie et Béatrice. En 2019, des rapports ont affirmé que Fergie avait quitté Balmoral tôt pendant les vacances d'été en raison de l'arrivée plus tôt que prévu de Philippe. Cela a été considéré comme un indicateur de tension persistante, elle a été une visiteuse régulière ces derniers étés, et, selon la source Balmoral de l'homme en kilt de M. Eden, rejoindra Sa Majesté en 2021, la source a déclaré, Sarah Ferguson arrive. Elle sera ici avec Andrew. Le trajet entre son domicile au Windsor Royal Lodge et le château écossais de El Aberdeenshire est de 500 miles. Madame Tomainen a noté la perception de la reine de Fergie dans un article de juillet pour The Telegraph. Elle a écrit, les initiés du palais disent que le monarque de 95 ans a toujours admiré la façon dont la duchesse a non seulement été une si bonne mère pour Béatrice et Eugénie, mais aussi, de manière cruciale, un soutien aussi fidèle de son fils préféré. En juin 2019, la reine a même invité son ancienne belle-fille à rejoindre la famille pour l'avant-dernier jour de Royal Ascot. Parlant de Philippe après sa mort, Fergie a déclaré à Madame Tomainen, le duc était un époux extraordinaire, père et grand-père, et son décès a laissé un grand vide dans la famille. Il a servi sa nation et la reine avec un dévouement incroyable pendant près de 70 ans. La fille aînée de la duchesse des York, la princesse Béatrice, 32 ans, a annoncé mi-mai qu'elle et son mari attendaient leur premier enfant. Sa sœur cadette, la princesse Eugénie, 31 ans, a également connu une année mouvementée. En février, elle a donné naissance à son fils, August, à l'hôpital de Portland à Londres.